Paris Extramuros cette semaine au Théâtre des Amandiers de Nanterre avec du Phédo qui ouvre cette saison théâtrale ici dans une mise en scène très contemporaine, vous allez le voir, de Grégoire Strecker. Ah, le coquin ! Eh ben, où allez-vous ? Viens, on va téléphoner. Dans ce Phédo, pas de porte qui claque, mais des personnages qui entrent et qui sortent dans un décor minimaliste. Une adaptation très moderne de la pièce « Occupe-toi d'Amélie », écrite par Phédo en 1908. Bah, tout simplement, quand j'ai lu cette pièce, j'ai eu 4-5 fous rires. Et du coup, je ne me suis pas posé la question des raisons pourquoi je voulais la monter. Je me suis dit, c'était comme un peu le voyage de Napoléon en Sibérie. C'est-à-dire, on y va, et en même temps, il y a une telle tonne de travail que à la fois c'est hilarant, mais à la fois c'est totalement dramatique. Vous ici, madame? Oh, ce madame est bien dit. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous expliquerai. Oui, mais d'abord à toi de nous expliquer. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mariage? Phédo, c'est un grand séducteur, donc tout simplement, je voulais enlever le vernis d'un certain folklore, tout simplement, pour que ça puisse toucher directement le public, mais en gardant l'écriture de Phédo. Monsieur mon fiancé, voici ma main. L'intrigue et le texte de Phédo sont ici respectés à la lettre. Il est question là encore de trahison amoureuse, avec comme personnage principal une cocotte aux mœurs légères qui fait tourner la tête de bien des hommes. Qu'est-ce que tu fais chez moi dans mon lit? Je suis chez toi. Ah tiens, c'est vrai. Ah. Mais comment ça se fait? C'est ce que je te demande. Je pense pas que, en tout cas, Phédo soit poussiéreux, ça c'est clair. Pour moi, c'est vraiment un auteur de génie méconnu. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on monte Phédo pour des mauvaises raisons. On le voit comme un vaudevilliste de talent, certes, mais c'est autre chose, c'est plutôt du théâtre de la cruauté. Mais tu sais bien que je t'aime bien, hein? Ça y est, oui, soyez contents, je vais retrouver votre fille.